Yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Lozerti sur Clash Royale. Et aujourd'hui on se retrouve pour un concept que j'ai déjà fait qui va être de gagner tout simplement en arène avec des decks générés aléatoirement. Alors oui, il y a quoi? Je profite du début de saison, c'est un fait. Non mais j'ai pas non plus envie de me faire rouler dessus, donc on va partir directement dans la première game avec tout simplement, je vais générer le deck. Alors c'est quoi ce deck? Les gars, je vous l'avoue, je suis allé vérifier comment on génère un deck parce que j'ai passé clairement 1 minute 30 à retrouver ce bouton. Et voilà, première deck directement, ça a l'air d'être un deck méta. Hein. Franchement, avec un petit peu d'imagination, moi je me dis, ça peut se jouer. On va partir de la première game et on va rouler sur notre adversaire. Les gars, c'est un fait. C'est un fait, c'est parti. Première game. Ok les gars, première game contre Bulldog. Et en cette première game, on va parler de quoi? Vous jouez à quoi les gars? Est-ce qu'il y a d'autres jeux de Clash Royale qui pourraient potentiellement vous intéresser? Parce que c'est vrai, alors, non pas que je me lâche de Clash Royale, hein, je continue à jouer tous les jours à Clash Royale, ça c'est une réalité, mais voilà, peut-être un petit peu de diversité, ça pourrait être pas mal les gars. Sur la chaîne, actuellement, c'est vrai qu'il y a quelques vidéos Clash of Clans qui sortent, alors c'est pas moi qui suis sur les vidéos Clash of Clans, si vous voulez aller découvrir ça, n'hésitez pas, mais c'est vrai que l'idée de base de la chaîne, c'est tout de même d'être une team, donc... Si vous voulez aller découvrir, donc c'est MaxDav qui s'occupe des vidéos Clash of Clans et qui fait pour l'instant simplement les défis, comme vous pouvez potentiellement le savoir si vous jouez au jeu. Sur Clash of Clans, il y a des défis où vous devez perf un village pour avoir des récompenses. C'est un peu... Bon, c'est pas trop le système de Clash Royale, mais vous avez capté avec les défis pour les récompenses. Et du coup, il s'occupe un petit peu de ça. Et les gars, c'est dans les tuyaux. C'est des rumeurs, mais moi, on me dit dans l'oreillette potentiellement bientôt un 1v1 sur Clash Royale ou j'ai un 1v1 MaxDav. Et ça, est-ce que ce serait pas exceptionnel? Mais est-ce que ce serait pas moi qui prends un risque? Imaginez le créateur de contenu Clash Royale qui se fait plier par le créateur de contenu Clash of Clans, les gars. Oh non, ce serait honteux. Mais je peux pas y croire, je peux pas y croire, je vais le fumer. Et quand je vous dis que je vais le fumer, c'est une réalité. Donc voilà, potentiellement, et peut-être peut-être après un verre sur Clash of Clans, je suis en train de penser. Après Clash of Clans, je suis quand même critique en attaque, les gars. Alors, je sais pas trop si vous suivez un petit peu ou si vous jouez un petit peu à Clash of Clans. Attendez, parce que là, faut que je me reconcentre, là. Parce que là, les gars, on a 2-3 problèmes sur le rat. What? J'avais oublié qu'il jouait PK. Oh là là. Oh là là. Les gars, c'est une tour qui tombe, là. Non, c'est vrai que sur Clash of Clans, je suis pas le meilleur. Ça, je peux vous l'avouer. En vrai, j'ai un bon village. Mais c'est vrai qu'en attaque, c'est critique. C'est vrai que... niveau attaque, les gars, je suis pas mon prime. Non, non, touche pas. Oh, le PK. Donc voilà, s'il y en a potentiellement qui seraient intéressés d'avoir quelques vidéos Clash of Clans fit avec MaxDav, les gars, manifestez-vous en commentaire. Hein. N'hésitez pas, surtout. Et là, par contre, il va falloir arranger la situation, parce que ça me plaît très, très peu ce qu'il est en train de nous faire, Bulldog, là. Bon, s'il te plaît. Attendez, attendez. Oh, la sorcière MVP. Je vous jure, la sorcière, elle est en train de créer un clutch. Oh, pourquoi j'ai mis le cochon? Oh non, j'ai mis le cochon pour rien. C'est pas grave. C'est pas grave. On se reconcentre dans la vidéo, maintenant. Là, j'ai réussi mon explication. C'est vrai que je m'en mêle tout le temps dans mes explications. Là, je suis content. Maintenant, on peut se concentrer dans les vidéos. Là. Et là, j'ai envie de mettre ça ici, mais j'ai juste peur du MK Corner, les gars. C'est ma seule et unique crainte. Les gars, comme dit... un proverbe hongrois très ancestral, vaut mieux prévenir que guérir. Et ça, c'est une réalité. Et là, par exemple, j'ai beau m'inquiéter du MK Corner, s'il veut MK Corner, le ref, il va pouvoir. Hein. Ça, c'est pas mon pauvre canon qui va l'en dissuader. Oh. Attendez, là, la défense est critique aussi. Hein. Oh, en vrai, c'est pas mal, hein. En vrai, de vrai, on s'en sort super bien pour le moment. Ouh, alors là, intéressant. Ok. Non, non, saute pas là-bas. C'est une masterclass. C'est une masterclass. Le MK qui a bégayé. Oh, la masterclass en préparation. Alors, non. Alors, ça, c'était un nom ferme. Un nom ferme et définitif. Et là, on repart en cochon. Là, on repart en cochon. Je vois pas ce qui peut m'arrêter, là. Alors, oui, un prince. Potentiellement. Oh, le petit coup de cochon. Les gars, faut cycler.
Là, c'est cycle. Là, il n'y a que le cycle. On pense cycle, on respire cycle, il n'y a que du cycle. Oh, cours le cochon, vas-y, fonce. Fonce, mon ref. Et la première victoire qui est assurée dans cette vidéo, mais c'est une masterclass de deck, franchement, il est passé super bien. Je joue jamais la sorcière, mais c'est toujours un plaisir de jouer la sorcière. Là, elle a tellement temporisé le PK, mais je peux que la remercier. On va partir dans la deuxième game. Juste avant, on va quand même aller générer le deck. Il n'y a pas de tricherie dans cette vidéo. On part générer le deck et on part dans la deuxième game. C'est parti. Ok, les gars, on est en génération de deck. C'est parti. On part. Attendez. Oh, j'ai oublié comment générer. Ok. Ça ressemble un peu vite fait à du spam bridge. Par contre, l'artificiaire qui tombe dans la case évolution. Parce que hey, si l'artificiaire serait tombé ailleurs... Ici, il n'y a pas de triche, hein. On ne l'aurait pas changé d'emplacement, donc ça c'est magnifique, on part dans la deuxième game avec ce deck, c'est parti, deuxième game, let's go. Aiden, Aiden, l'artificier évolué, elle est pour toi. Elle est pour toi, mon ref. On va d'ailleurs la charger directement, petit squelette, est-ce que ça serait pas un 2.6? C'est bien ce que je me disais. Oh, Aiden, il est fou. Oh, il est nerveux sur la gâchette, hein. Il vient déjà de poser 7 élixirs là. Ah lui, il hésite pas. Hein. Ah le ref, il hésite pas du tout. What? C'est quoi, c'était 2.6 évolutif là? Oh, oh! Ah, c'est un Arc-X. Ah, c'est un Arc-X ultra fast. Je vous jure, il y a moyen, c'est un Arc-X. Oh, je rigole beaucoup moins là d'un coup. Ah ouais, non. Oh, oh la catastrophe. Et là on a quoi pour tanker? Parce que alors le mini PK il paraît être un tank raisonnable. Mais face à Arc-X, franchement. Ah les gars, d'ailleurs je vais le poser, j'ai pas trop envie de prendre trop de dégâts. Et je vais repartir en petit push. En vrai si ça force une Tesla, j'ai pas trop envie qu'il me fasse Tesla au pont là. Avec son Arc-X, mais... Wow, non, c'est zinzin. Il va partir en Arc-X. Oh, la recherche qui se barre. On part en sapeur de l'autre côté, on essaie de pré-shot l'Arc-X. Mec, il fait quoi, là? Aiden! Aiden, qu'est-ce que tu caches? Il me fait peur, là. Il me fait peur. Il veut pas jouer. Il veut pas dévoiler son jeu. Je vous jure, c'est un Arc-X, c'est sûr. C'est sûr et certain. En fait, la seule chose qui me fait un petit peu douter, c'est vrai que le golem de glace, en vrai... Dans Arc-X, j'aurais plus tendance à mettre un chevalier. Mais honnêtement, là, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Je vais mettre un petit chasseur pour tanker l'archer, parce qu'elle fait quand même mal. Oh, oh non, mais vas-y, Maiden, mais pourquoi tu me fais ça, mon ref? Ah bah ouais, bah nice. Ah bah là, on est bien, les mecs. Hein. Oh, le désastre. Mais les gars, on va jamais passer, là. Mais les gars, soyons objectifs, nous ne passerons jamais. Oh non, mais vas-y, mais j'ai fait le pire move. J'ai fait le pire move au U. Oh oui, 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 oui. Tesla. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Attendez, mais tout ça pour ça, là? Mais j'ai même plus envie de me battre, là. Les gars, peu importe ce que je fais dans cette game, ça ne passera pas, genre. Allez, vas-y, non, c'est trop, non, c'est zinzin, les gars. Je peux rien faire. Ah ouais. Oh, j'ai raté l'Arc-X. Non, mais les gars, je joue n'importe comment, mais là j'ai rage quitte mental. Là, mentalement, c'est dur. Hein. Là, mentalement, c'est ultra dur. Je suis obligé de défendre parce que quand même quoi. Un minimum mais bon. Ok, mais regardez. Regardez la value de la boule de feu. Et ça ne sert à rien. C'est ça peut-être le plus fou. C'est ça peut-être le plus dingue. Et là il va juste me défendre. Mais non mais mon ref, ah, s'il te plaît, vas-y si tu veux, je rage quitte. Mais épargne-nous, c'est mon moment là. Tu vois, on a bien gratté, mais on va pas aller plus loin. Les gars, ça se voit directement qu'on n'ira pas plus loin. Et ça, c'est effrayant. Oh, vas-y, donne-moi des trucs à sniper avec l'artificiaire. Il y a peut-être un monde.
Il y a peut-être un tout petit monde où... Mais ouais, bah non, il y a zéro monde. Hein. Ouais, un monde où on défend tant bien que mal l'Arkix, mais il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus, et c'est ça qui est fou. C'est que là, j'ai beau spammer tout ce que je veux, le mec, il va juste me finir au sort. Bon, deuxième game, première vidéo... Oh là là, je me mélange, mais... La game m'a fatigué. Deuxième game, et on est sur eux. Là, je peux plus. Aiden, il m'a épuisé, il m'a tout pris. Une victoire, une défaite. On va partir dans la troisième game. C'est cette game qui sera décisive, qui va déterminer si oui ou non, on maîtrise le deck aléatoire. Tout simplement, ni plus ni moins. C'est pas demain, c'est pas la game dans deux games. C'est maintenant, on part générer le deck et après on va le jouer. Et là, c'est toute la pression est maintenant. Ok, les gars. Aiden, il nous a tout pris, là. Là, il a pris mon énergie, il a pris mon mental. On me donne un... Ouais. Non, en vrai, franchement, petite pompe. Allez, on part dans la troisième game. On va pas se poser 30 000 questions. C'est parti, troisième game, let's go. Ok, troisième game contre Sae. Bye. Ok. Ça va pas se passer comme ça. Moi, je vais pas me laisser battre sur ma propre vidéo. Non. On va partir en géant fond de map. Pour l'instant, ça y est, qui ne joue rien. Ok. Un petit prince. C'est pas forcément ce que je préfère au vu de mon deck. Parce que là, autant vous dire que... Oh non, j'ai mis trop loin, j'ai mis trop près, mais non. C'est zinzin. Non mais autant vous dire que niveau longue distance, là on n'est pas servi sur le deck. Parce que ce qui nous sert de longue distance, c'est un chasseur. Je peux vous le dire que c'est pas le truc qui tient le plus loin. Ça a une petite portée. Hein. C'est vrai que niveau distance, là on n'est pas bon du tout. Hein. Oh non, je l'ai mis trop tôt. Ok, ça va. Attends. Toi tu te calmes, toi déjà. Me dis pas qu'il a l'évolution. Calme-toi avec ton évolution. L'évolution, elle est dingue. Si vous avez vu, s'il y en a certains qui ont vu la vidéo où je découvre l'évolution, petit snipe à la fin masterclass en mode archer magique, une pépite. Franchement, le bomber Evo, j'aimerais bien l'avoir. Il y a moyen de faire 2-3 trucs sympas avec, je pense. Et là, je vais partir sur un extracteur. Je pense que je vais partir sur un extracteur. Ok, il a une boule de feu. C'est pas évident là. Là c'est pas évident. Là les gars c'est pas évident mais nous ne nous avouerons pas vaincus. Alors là j'ai eu assez peur quand même qu'il mette sa capacité. Parce que là ça aurait pu être vraiment une catastrophe. Oh non il a le bomber Evo. Il a le bomber Evo le fou. Oh le zinzin. Attendez mais il vient de me faire... Bah en fait c'est ce que je viens de dire là. Il vient carrément de me faire un move archer magique là. Bah là je suis choc barre là. Là je le vis bien. Nickel. Pas nickel mon ref. Bah si ça te fait plaisir. Hein. Vous savez quoi, on va partir en armée de squelettes. Tant bien que mal ça devrait défendre. Je peux pas. Je peux pas les gars, je peux pas. Ok, petit chasseur. Là, je sais tout ce qui va se passer, là. Oh non, bah non, j'aurais dû. Ok, en vrai, il me renvoie ça, mais moi, ça me fait pas peur du tout, ça, pour le coup, la foreuse. Ok, sa TDE qui est inutile. Oh, le bombard Evo. Oh non, connecte sur la tour, mon ref, t'avais un. Mais j'en peux plus, c'est trop, j'en peux plus. T'avais un job. Il avait un job, le ref. Je peux pas y croire. Il avait un job, c'était taper la tour. C'est pas grave, les gars. On va pas se laisser abattre. On ne se laissera pas abattre dans cette vidéo. Ok ? Va tout droit. T'es notre chance, géant. T'es grand aujourd'hui. Encore un coup ? Ok. Ok, les gars, là, c'est de la défense. Il faut une bûche. Elle est où la bûche? J'ai pas de bûche, mec. La bûche, elle est retardataire. Ok. Lui, il die. Est-ce que je la joue en cycle séisme?
C'est chaud, hein. En vrai, c'est chaud. Petit séisme surprenant. Ok, ça lui force une TDE. Moi, je dis c'est pas mal. Là, il peut pas temporiser à l'infini, là. Là, les gars, je vous le dis. Non. Oh, j'ai paniqué. J'ai cru qu'il avait les veaux. Et what? Mais on rêve, mais on marche sur la tête. Il vient de me mettre... J'en peux plus. J'en peux plus, les gars. Si je perds cette game, je suis au bout du rouleau, là. Oh, ça va être Tandax. On a le séisme. Il a le bomber. Let's go. Juste let's go. Deux victoires, une défaite dans cette vidéo. Franchement, c'était tendu. En vrai, à la fin, on avait une petite marge. Franchement, même si le bomber, il tapait sur mon armée de squelettes, je pense que le bomber, il fait combien? Il doit faire 200, 300, non? En vrai, on avait 500 PV, on avait encore un petit peu de marge. Du coup, ça fera deux victoires et une défaite dans cette vidéo. N'hésitez pas à me répondre en commentaire, du coup, si ça vous intéresse, des petits 1v1 contre Max Dav. Et pourquoi pas, bah, que vous alliez le découvrir si ça vous intéresse. Si vous jouez un petit peu à Clash of Clans, bah voilà, il fera de plus en plus de vidéos sur Clash of Clans au cours du temps. Et voilà, mais par contre, les vidéos Clash Royale ne diminueront pas, vous inquiétez pas, on restera sur une vidéo hebdomadaire. En tout cas, on va partir... Mais qu'est-ce que je raconte, moi? J'allais dire, on va partir dans une quatrième game. Non. Là, j'ai gagné ma vidéo, je suis content. On se retrouve comme tous les jours dès demain. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était La Lozertie, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si c'est le cas. Parce que voilà, tout simplement, ça encourage de fou. Merci à vous, merci à ceux qui le font, à ceux qui le font pas également. Je vous remercie d'être restés jusque-là. C'était La Lozertie, à demain. Portez-vous bien. Ciao.